Allez, salut à tous les amis, c'est l'heure to play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de SimCity 5, oh yeah, devant ce beau casino qui me rapporte actuellement 41 962 Sims Flouze par jour, c'est énorme, et on m'a dit dans les commentaires, parce que vous participez pas mal, hein, vous m'envoyez beaucoup de conseils, de petits commentaires sympas pour me dire comment je dois un petit peu agencer ma ville. On m'a dit de construire un deuxième casino pour rafler encore plus de pépettes. Eh bien, je vais exécuter ce conseil sur le champ, parce que c'est vrai. Bon, déjà, celui-là, énorme, hein. On arrive quasiment à 40 000, à mon avis, plus de 40 000 bientôt, là. Faut attendre... C'est tous les jours, je vous rappelle, hein. On va faire passer le temps vite. Tous les jours, donc voilà, ça me rapporte 41 000 Sims Flouze par jour. J'ai actuellement 50 000 quasiment dans mon coffre. Franchement, c'est plutôt lucratif. Alors, je vais en construire directement un. Et on m'a aussi dit, bien sûr, de prévoir une sécurité policière accrue. Enfin, d'augmenter la sécurité policière, parce que c'est vrai, hein. L'argent, les casinos, ça attise la convoitise et les voleurs et le crime. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je me comprends. Et pour enrayer ça, il faut absolument une force de police efficace et présente en quantité. Alors, est-ce que j'ai un commissariat au moins? Je sais même plus. Oui, j'en ai fait un de commissariat. Attendez. Ah oui, il est là. Ouh là là. On m'a dit de l'augmenter. Ah, cellule presque pleine, effectivement. Cellule presque pleine. Je vais rajouter une prison. Alors, on va rajouter, c'est quoi? Des cellules rez-de-chaussée. Bah, vous voyez, on peut en placer pas mal. On va en mettre deux, ça coûte combien? 15 000, ouais. Ils sont pas chiés, quand même. Hein. On va rajouter... des voitures, allez, on va se ruiner un petit peu pour la police. Voilà, j'ai plus de fric. J'ai littéralement plus de fric. Par contre, j'ai qu'un crime commis par jour, ce qui est vraiment très bien. Mes policiers sont très efficaces. C'est pas le cas de certains. Non, pardon. Non, cette blague n'avait pas lieu d'être. Je m'excuse. Bon, bah, en tout cas, il est magnifique, ce commissariat qui fait prison en même temps. C'est un peu spécial. Bref, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je lance le plan... le plan aménagement de l'extrême, parce que quand je regarde mes voisins, voyez, regardez-moi ça, ces buildings aux alentours, c'est lumineux de partout, ça brille. On voit déjà des mecs qui ont des méga tours, je crois. Alors par contre, j'avais dit que je toucherais au DLC, mais le problème c'est que je sais pas comment on fait au final. Je sais pas où aller pour construire des méga tours, des trucs comme ça. Ah non, c'est pas ça, casino futuriste, c'est peut-être ça. Si, ça a l'air d'être ça. Ça doit être dans les spécialisations, je suppose. Oui, parce que c'est vrai que j'avais dit que je toucherais au DLC, mais en fait, je me suis même pas posé la question de comment, en fait. Oh, ça a l'air sympa, il y a des bâtiments qui ont l'air cool, hein, usine de processeur, oh là là là. Il y a plein de côtés que j'ai pas encore... découvert sur ce jeu. Et je regrette un petit peu, pardon. Ah, c'est pas mal, hein, il y a des trucs sympas. Bon, vous me direz, bien sûr, dans les commentaires comment... merde, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Comment on fait pour toucher au DLC, les méga tours et tout le bordel? Enfin, pour ceux qui ont le DLC, vous me comprenez. Du coup, j'ai absolument pas de fric. On va faire passer le temps vite. Donc, j'avais dit que je lançais le plan logement de la mort. On va développer toute cette zone-là, c'est-à-dire la zone nord-ouest, pardon. Par rapport à l'autoroute, à la sortie d'autoroute, voilà. Oh, génial, j'ai réussi, ça me fait un peu de thunes. Ouh, 50 000. Ah bah tiens, c'est parfait. Pile les fonds nécessaires pour développer la ville. Ah bah tiens, il pouvait pas tomber mieux. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, on va rajouter un casino. On va faire ça. Ça va m'assurer des revenus supplémentaires qui seront utiles justement à la construction des nouveaux quartiers. Alors jeu, c'est dans le jeu. Ah oui, je peux faire le siège du jeu. Bah, on va faire d'abord le siège du jeu. Qu'on va placer à un endroit genre ici, tu vois. En plein milieu de la ville, en face de la mairie, quoi. Pour dire que ici c'est la mafia des jeux, eh. Je sais même pas si... Ici c'est le casino qui règne. Fermé pour processus d'embauche. Ça m'a ruiné, mais c'est pas grave. Je vais construire un deuxième établissement de jeu. Alors, ici on peut plus construire, ouais. Donc je vais construire juste à côté. Enfin, juste à côté. Je vais laisser un peu plus de... Comme ça, c'est bien. Voilà! Il me reste assez pour rajouter des extensions. Peut-être un petit dortoir, non? Chambre bon marché. La petite statue. Ici, touriste. Non, c'est toujours la même chose. Mais ça, je sais pas, on va mettre ça. Allez, hop. Je sais pas vraiment si c'est super utile, mais... Voilà.
mettre ça là. Et on va s'acheter un théâtre comique. Moi, je veux du riche, hein. Je veux du riche, un bar et un théâtre comique. Et un petit théâtre comique. Voilà, ça coûte pas très cher. Et on va mettre, bien sûr, dortoir. Voilà, limite atteinte. Voilà, lui, ce sera plutôt le casino bon marché. Donc, je me suis de nouveau ruiné pour construire un deuxième casino. Qu'est-ce qu'il veut ici? J'ai dépensé tout mon argent, mais je me suis éclaté. Bah, c'est le principal. Du coup, voilà, voyez, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. C'est toujours en fin de journée, là, c'est dur. Du coup, la valeur des terrains augmente. Vous voyez, par exemple, là, les magasins sont en pleine extension. Immoral, alloué. Vous voyez, c'est bénéfique. Pour le commerce, pour les boutiques, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors toi, t'as une terre à me rapporter. Tu me rapportes 78 du jour. Ouais, bon. Ouh, il est déjà bien rempli, hein. Ouh là là, il est déjà bien rempli. 40, lui, il a pas bougé encore. Il faut attendre la prochaine journée. Hein, je vous rappelle, c'est par jour. Ça se calcule par jour. Du coup, je me suis encore ruiné. Ah non, ça va, j'ai déjà gagné l'argent, vous voyez. Comme quoi, c'est quand le chat il repue qu'il trouve quelqu'un de la souris pue. Bah oui, forcément. Référence. Bon, laissez tomber, c'est pas grave. Bon, je vous rappelle quand même que je suis toujours. J'ai toujours le défi des routes courbes à réaliser. Je ne dois faire absolument aucune route rectiligne, que des routes courbes. Par contre, là, ça fait un truc vraiment dégueulasse. Du coup, je vais prendre juste route courbe. Voilà, et c'est vrai que ça donne beaucoup de charme à la ville, hein. Je sais plus qui me disait ça dans les commentaires, je retiens jamais les pseudos, vous m'en excuserez, hein, mais c'est affreux. Hein. C'est vrai que ça, c'est, ouais, pas mal de charme, hein. Vous voyez, ces routes très arrondies, très fines, très douces, voilà, c'est doux, c'est agréable à regarder. Bon, ici, ça part un petit peu plus en couille, mais c'est pas grave, ça fait quand même de jolies formes. Voilà, c'est différent, on aime bien voir des choses plus... Voilà, plus arrondi, plus... Ouais, voilà, moins agressive à l'œil, bien sûr, je parle. Comparé à ce qu'on a aux États-Unis, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ça change du modèle américain où tout est quadrillé à la CitizXL, vous voyez ce que je veux dire. CitizXL, c'est un peu ça, quoi. On va dire quand on zone, c'est principalement des zones rectilignes. Sinon, on perd pas mal de place, il faut le dire. Bon, là, je suis sûr que je suis... Là, pour le coup, je suis sûr que j'utilise pas toute la place, hein. C'est pas très, très optimisé. Mais bon, on s'en sort quand même. Ça reste largement potable. Et il faut dire qu'il faut de la place aussi pour plus tard, lorsque mes populations vont... Enfin, la valeur des terrains va augmenter. Ils auront besoin de s'étendre pour augmenter la densité. Et voilà, ça fera de... Des buildings à perte de vue comme dans les autres villes. Je vais pas tarder aussi à lancer l'opération amélioration des routes, hein, pour éviter d'avoir des problèmes de trafic dès le début du jeu. Ce qui serait un frein au développement. Oh, j'adore cette expression. Un frein au développement, oui. Alors, voyez-vous, c'est très... Voilà, c'est... Oh, j'adore la forme que je viens de faire. Oh, c'est magnifique, regardez ça, c'est de l'art. Là, c'est du street art, quoi, c'est le cas de le dire. Bon, ici, petite route, voilà, comme ça. Ensuite, on revient. Ça fait des jolis dents de requin. Vous voyez, c'est sympathique. Voilà, on peut faire un cercle. Alors, attendez, je vais essayer de faire quand même minimum optimisé. Voilà, comme ça. Ah, je trouve ça magnifique. En tout cas, tu as eu une excellente idée en me proposant ce défi. Je sais plus qui me l'a proposé, mais c'est pas grave. Tu as eu une très bonne idée. C'est bête, j'aurais dû continuer la route. Attendez. Ouah. On va faire passer le temps doucement. Là, j'ai plein de problèmes. Donc, juste avant de continuer les routes, on va un petit peu s'attarder sur les problèmes existentiels. Ouh, déjà, je produis pas assez d'électricité. On va augmenter le nombre d'éoliennes. Voilà, une petite éolienne là. Alors, est-ce que ça va suffire à rehausser? Ouh, amplificateur électrique, nécessite contrôle net. Ah, ben ça, voilà. Voilà, pardon, excusez-moi. C'est un bâtiment du DLC, contrôle net. Centrale électrique, bâtiment de production, 200% d'électricité. Mon Dieu, c'est pété. Alors, est-ce que c'est bon, ça? Ah, c'est pas assez, non. C'est pas assez, il faut que j'augmente la taille. Hop. Ici, est-ce que j'ai mis c'est quoi ça, en fait? Non, je n'ai pas mis ça. Je sais pas quoi ça sert, c'est le seul panneau, il sert à rien. Je vais mettre une big éolienne. Voilà. Ah, là c'est bien. Ok, l'électricité, c'est bon. Ensuite, police.
police. Deux crimes commis par jour, ça va, je... Ah, bah, allez, coupure de courant, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Impossible d'enseigner sans lumière, veillez à ce que... Ah, bah, ça, c'est l'électricité. Ok, c'est parce que c'est juste une pale électrique. C'est bon. Rien de bien méchant, rien de bien méchant. Ok, c'est, ça, ça va se rétablir tout seul. Je pense que je vais juste détruire, juste ici, vous m'excuserez. Alors, bulldozer. Finalement, je vais juste détruire... Enfin, du moins... Ouais, si, je vais détruire juste ici. Pour augmenter la taille de l'avenue, parce que... Sinon, je risque d'avoir des gros problèmes de trafic. Route courbe, Michel. Voilà. Ok. Bon, résultat, ça fait... c'est pas... C'est moins beau. Effectivement, c'est... C'est... Faut aimer. Oui, faut aimer. Faut aimer. Faut aimer, c'est totalement ça. C'est dommage, j'avais fait une superbe forme. Là, tu me dégoûtes, là, Jambi, quoi. Là, bon... Il y a un moment... attendez, là, ça va être... Si j'ai envie de repartir comme ça... Ah, super, je viens de faire un espèce de... Une espèce, pardon. Mon dieu. Une espèce de... J'ai failli faire la faute. Une espèce de... Ouais, c'est étrange, je sais même pas comment je pourrais expliquer ça. Ah, c'est beau. Non, je fais des... Je m'étonne moi-même, voyez-vous. Non, attendez, ça, c'est, ça va pas être beau. Voilà. Truc le plus courbe possible. Ah, là, ça commence à être beau. Ah, c'est dommage, j'avais fait une jolie forme ici. Je suis... Ouais, ça, c'est con. Bon, ici, on va laisser les zones comme ça, parce que sinon, on va perdre de la place. Attendez. Par contre, cette route-là, je vais la refaire, parce que... C'est vrai que... Tac, on perd de la place à ce niveau-là. Voilà, déjà, là, c'est plus harmonieux. Je trouve que ça rentre plus dans le carcan, quoi. Ça rentre plus dans la moule. Bon. On a trop de lignes, là, c'est bon. Oh, je trouve ça génial. C'est abusé. Je m'amuse comme un petit fou à faire des routes. Ok, c'est parfait. Et ben voilà. Attendez, on va essayer de faire un petit zoom. Ok, d'accord, on peut pas zoomer plus que ça. Moi, je trouve ça super. Bon, maintenant, on zone. C'est parti. Tac, on veut de la résidence. Toujours plus de résidence. Avec du commerce. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de la résidence. Nous... On va être une niche à consommateurs, voyez-vous. Voilà, j'aime bien quand on parle de consommateurs. Ça me parle. C'est totalement dans mes compétences. Voilà. Et ici, j'ai mis des zones, ce qui est complètement stupide, puisque je vais construire sûrement d'autres choses pour les casinos. Par contre, en termes de demande industrielle, je pense que je vais bientôt aménager ma ville, qui sera une grosse ville industrielle. Ici, je crois que j'ai pas beaucoup de ressources. Attendez, on va vérifier quand même, au niveau des minerais, si j'ai un peu de charbon ici. Bon, le charbon, à la limite, un jour, on pourra l'exploiter histoire de le vendre et de se faire un peu d'argent, mais bon. Par contre, ouais, j'ai une petite nappe de minerai dans cette zone là. Du pétrole, j'en ai pas du tout. Carte du commerce, on s'en fout. Et culture. Je vais peut-être mettre un ou deux monuments dans cette ville. Carte du contrôle net. Ça, on verra après. C'est une espèce d'internet, à mon avis. Allez, on passe le temps vite. Tu me fais combien de bénéfices, mon. 43 720, ah ouais, t'as pas beaucoup augmenté, dis-moi. En un jour. Oh, qu'est-ce que j'ai eu? Générer un total de 200 000 avec vos casinos. Ouh, il me produit déjà 9 000. Oh là 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 là, c'est tellement bon. Électricité, qu'est-ce qui se passe? Ah merde, ah merde, ah merde, ah merde, ah merde. Ça va déjà plus, ça va déjà plus. Si? Ah si, c'est bon. Si c'est l'électricité, revient en fait. Pardonnez-moi. C'est bon, déstressé les gars. Déstressé, ça revient. Tac 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 tac. Faut que je fasse attention ici. Les bâtiments commencent à se reconnecter au réseau. Non, c'est bon. C'est bon, ça a l'air d'aller mieux. Alors, qu'est-ce que tu me demandes? On va juste réduire un petit peu la vitesse de jeu. Qu'est-ce que tu me demandes, Michel? L'heure est venue d'améliorer notre siège. Jeu, pour qu'il soit encore plus grand, mettons le paquet. Le paquet, si vous voulez.
Agrandir, qu'est-ce que vous voulez? Non approuvé, c'est quoi? Panneau du siège, si vous voulez je peux mettre le panneau du siège de jeu, voilà. Ah, je pourrais l'améliorer, ça c'est bien. Division divertissement, accès local accordé, 7 de stars, discothèque, salle de concert et club exclusif. Ouh, génial. Division jeu, de nouveaux modules de jeu qui permettent aux joueurs de se ruiner encore plus en votre faveur. Ah oui, faut préciser, sinon c'est pas drôle. Salon de poker, salon de craps, salle de baccarat. Oula, je sais pas ce que c'est, salle de roulette, ça doit être des jeux d'argent, hein. Et hébergement. Chambre en hauteur, chambre élégante et suite terrasse. Ouh, ça c'est génial, putain, je sens qu'on va se faire des couilles en or. Qu'est-ce que tu me demandes, toi? Me dis pas que c'est à cause de Docteur Vu, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non merci, connard. Bon. Alors, niveau haut. Alors, niveau haut, c'est un petit peu critique. Pour l'instant. On va se placer juste là. Je vais bientôt faire la technique du... de l'eau infinie. Avec une petite station d'épuration. Donc je vous rappelle la technique, vous placez une station de pompage. Une station de pompage, voilà, c'est pas une station d'épuration. Attention, il faut pas faire l'erreur. Vous placez votre station d'épuration quelque part. Et puis vous placez un château d'eau à côté. Et normalement c'est censé produire de l'eau à l'infini. Alors moi pour l'instant j'ai toujours pas réussi à le faire. Mais apparemment ça marche pour quasiment tout le monde. Et j'ai toujours pas renommé la ville. Faudrait que je le fasse, tiens on va le faire maintenant. On va virer Bois de Geronimo. Et on va faire Courbeville. Bah, c'est moisi comme nom, mais... Curve. Ah ouais, Curve. Curve, c'est quoi déjà? C'est une courbe? Ouais, Curve. On va l'appeler Curve City. Curve City. C'est bien ça comme nom, Curve City. Ça sonne très anglais, quoi. Bon, c'est le lever du soleil, tout va bien. Il pleut, là, non? Non, il fait moche, il y a des nuages. Je ne sais pas, il y a peut-être de la pollution. Donc, maintenant... le projet, donc l'eau c'est bon, c'est rétabli, pas de problème. L'école c'est quoi? Sans eau, bah, c'était l'eau. Du coup l'eau c'est bon, ça va se rétablir. Maintenant on va essayer d'augmenter la richesse de nos terrains zones. Ouais, la demande industrielle est très forte. S'il vous plaît les gars, si vous m'entendez, faites de l'industrie là. Mes Sims ont besoin de travail là, ils ont besoin d'industrie là. C'est vrai que ça manque un petit peu. Bon, je vais améliorer la valeur des terrains en attendant. On va faire... petite place ici, voilà, un truc de stalling avec un petit parc naturel juste à côté. Puis classique, non, ça c'est trop grand. Voilà, là il y a du riche, là il y a du riche sportif. On va rajouter d'autres trucs. Petit cours de tennis ici, là, voilà. Standard, c'est quoi? C'est des trucs de merde qui servent à rien. Là, qu'est-ce qu'on peut te mettre? Un petit parc, là, voilà. Non, mais là, il faut attirer les riches, hein. C'est comme ça que ça marche, les gars, le business. Du coup, ici, voilà. On a des jardins partout, avec des petites places, les petites plaçouilles. Voyez-vous? Là ça arrive, mais il faut qu'on ait de la richesse vraiment très élevée, vous voyez, il faut qu'on ait des taches bleues foncées pour avoir vraiment là du gros riche, quoi, il faut le dire, oui, il faut le dire. Bon, hein, à un moment, il faut le dire, quoi, bon. Bah! Ça, on va le foutre où? Ah, c'est quand même énorme, hein. Ça, on va plutôt mettre ça. Ah, voilà, vous aimez bien ça. Petit parc naturel. Je vais voir ce qu'il y a plus loin. Ça c'est bien, ça c'est énorme ça. Voilà, nous on aime ça les parcs. Bon, maintenant vous construisez des plus grosses baraques. C'est le deal, hein. Ouh, joli ça, magnifique. Très belle résidence. Très beau logement, ouais, parfait, parfait. Instruit, ah ils sont instruits, c'est super ça. 300 touristes quittant votre ville satisfaits en un jour. Je vais peut-être devoir améliorer ma gare bientôt. Alors qu'est-ce que je peux faire? Ah, génial. Panneau de gare ferroviaire, alors ça c'est super. Ah ça change tout. Temps d'attente moyen, 1100 passagers par jour. Ah, je suis connecté à Monument City. 43, oulala, ça c'est énorme par contre, 43 minutes d'attente. Il faudrait, j'avais vu une technique, je sais plus où. Faudrait rajouter des rails, attendez, on va essayer de faire ça. On va aller là dans train et on va rajouter des rails. Alors, je sais plus. Voilà, quelque chose comme ça, non, attendez. Il faut route droite. Quelque chose de ce style là pour fluidifier le trafic.
On devrait mettre des routes courtes maintenant. Voilà, et normalement ça c'est censé fluidifier le trafic. Si je dis pas de conneries. Comme ça, plus de trains peuvent circuler, normalement. Logiquement. Ouh, ils sont dégueulasses, les rails sont vraiment immondes. Est-ce que ça va améliorer? Bon, pour l'instant, non, ça fait pas son effet. Mais ils arrivent que de là, ils vont pas là-bas en fait. Ah, mais forcément. Oh, je l'ai fait du mauvais côté. Oh, le bisu. Alors là, il n'y a pas d'autre mot. Oh, je gagne 6000 par heure, mine de rien. Ah, si, ça marche. Ouh, j'ai deux bâtiments abandonnés. C'est où ça? Bâtiment A, ici. Et où? Ici. Voilà. Parfait. Des bâtiments abandonnés, ça n'existe pas. Ah oui, je suis bête, faut que j'améliore les routes pour qu'ils grandissent. Eh oui, je suis bête. Vous allez voir que ça va tout changer. Vous allez voir que ça va tout changer. Bon, par contre, ça va être long. Hein. Je vous cache pas que ça va être chiant et long. Ah, vous voyez, déjà, ça augmente là. Ça augmente là. C'est bien ça, ouais. J'adore faire ça. C'est bien ça, ça augmente. Bah, ça, je pense que je le ferai hors caméra. Voilà, j'améliorerai toutes les routes à fond. Vu qu'on a la thune, on est presque à 100 000 Sims Flouze. On a de l'oseille, on peut se le permettre. Voilà, rapport mensuel sur le jeu. Ah, génial. Ah, mince. Attendez, c'est pas ici. Ah, voyez, c'est pas mal ça. On a du gros bâtiment là. En plus, ça va fluidifier le trafic. Décidément, j'ai du mal à prononcer les mots aujourd'hui. Ça va fluidifier le trafic. Si je... Voilà. Bon, ici, il va falloir que j'améliore encore. On va plutôt aller dans cette zone là. Bien le bonjour, chers habitants. Ah, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher quand même, hein. Bon. Bon, c'est pas super intéressant, je vous avoue, mais on est obligé de passer par là un moment, hein, il faut le dire. Bon. Ça va, en plus j'ai les moyens d'amortir cet investissement. Grâce au casino. Voilà. Bah. Non, il n'y a plus qu'à attendre que ça se développe. Bon, après le reste, je le ferai moi, je le ferai plus tard tout seul. Parce que là, c'est vrai que c'est pas super génial. Allez, les dernières. Les dernières, voilà. Voilà, on va faire ça pour l'instant, ça devrait suffire. Ok, bon. Ah, c'est déjà plus agréable à regarder, c'est très... Oh, c'est vraiment joli, j'adore. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, c'est une belle ville. Pas trop dense, c'est agréable, c'est un beau quartier. Ce sont des beaux quartiers. Qu'est-ce qu'il me demande? La maison du maire. Oh, le logement du maire. Bah tiens, je vais le foutre ici, là, dans une zone super, super hype. Faire mes processus d'embauche. En plus, ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, le maison a construit sa mère. On s'en fout. Sa mère, putain, qu'est-ce que je dis? Sa mère. Sa mère. Pourquoi sa mère? Sa mairie, pardon. Donc, c'est génial. Il me semblait qu'on pouvait l'améliorer, la maison du maire, non? Avec des barbecues et tout. Non, j'ai peut-être rêvé. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques, ces petites maisons. Petites maisons mitoyennes, là. Non, ce sont pas des maisons mitoyennes. Je suis vraiment stupide. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Maisons mitoyennes, elles sont collées, normalement. Normalement, hein. En tout cas, ouais, c'est vraiment très agréable à regarder. Franchement, là, je dis pas. Alors, ce que j'améliore. Voilà, ben voyez, technique de fou. Donc, si vous voulez fluidifier le trafic ferroviaire, hein, solution. Vous voyez, j'étais à 40 minutes, j'ai divisé quasiment le temps par deux, voire un peu plus. Il suffit d'installer plus de rails. Vous voyez, vous faites une petite bifurcation, puis vous revenez lentement un peu plus loin. Comme ça, les trains vont pouvoir circuler sur deux voies pour se barrer, pour arriver, c'est parfait. Donc, résultat, plus que 15 minutes d'attente, c'est largement... c'est très honorable. Et il me rapporte... Ah, il me rapporte plus que 35 000 de dollars par jour. Et lui, il me rapporte 12 000 pour le coup. Bon, après, les bénéfices sont partagés. Casino, génial. Non, limite atteinte, ouais. Est-ce que, au niveau du siège métal, on est satisfait? Non. Amélioration suivante, profit...
quotidien, jeu, 47 000. Il faut plus de casinos là. Ah ouais, j'ai pas le choix là, je vais devoir rajouter des casinos. Allez, on va en rajouter un troisième, on va se faire plaisir. Ah, je peux mettre un casino futuriste. Un casino coca. Je peux mettre un casino coca. Un casino romain. Un casino élégant. Ah oui, mais c'est pas les mêmes prix, hein. C'est pas les mêmes prix. 140 000 déjà, ça. Ah, je pourrais mettre un casino coca. Bon, pour l'instant, on va rester sur les petits casinos pourris. Oui, il faut le dire. Bon. Hein. Bon, on va en mettre un troisième. Et on va foutre... On va mettre des trucs de richous. Ah, je peux pas en mettre ailleurs. Flûte. Alors, on va rajouter, on va mettre des machines à sous. Machines à sous. Et du blackjack. Plus un dortoir. Voilà, c'est parfait. Encore, trois casinos. Alors là, là il va y avoir du touriste. Alors là, je peux vous dire qu'il va y avoir du touriste. Eh. Ah non, c'est vrai, j'avais déjà fait ça. 14 minutes d'attente. Ah, je suis fier, là, j'ai fluidifié le trafic, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bon. Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien... Alors, attendez. Je vais d'abord vérifier au niveau des services publics. Est-ce que les pompiers... Oh là là, les bâtiments. Regardez-moi ça. Ça commence à se densifier, c'est bien. Que cette histoire d'eau usée ne se reproduise pas. Ok. Ouh, ma petite caserne de pompiers, là. C'est limite, ça. Électricité. Oh, merde, putain. Oh non, ça va être la galère. Flûte. Flûte, 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 flûte. Ah, oh, je vais bientôt, là. Ça commence à... Ouais, à... Être un petit peu limite, hein, quand même. Le... À l'éolienne, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on va en mettre deux, comme ça. Attendez. Ah, c'est bon, j'en ai excédent. J'ai mis des grosses éoliennes, ça produit beaucoup plus. Plus tard, ce serait bien qu'on passe aux éoliennes. Ah ouais, mais il faut... Ouais, il faut l'université. Si vous pouviez développer le projet pour les éoliennes... à axe vertical, ce serait vraiment cool, franchement. Je parle bien sûr aux viewers de la région, hein, bien entendu. Putain, 13 000 de l'heure. Oh là 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 là, je vais devenir riche. J'ai 18 000 habitants là, j'ai pris 10 000 habitants d'un coup, c'est super. Qu'est-ce que j'ai fait? Déplacez-vous. Ah merde, non, qu'est-ce que. Ouh, qu'est-ce que. Non, je m'en fous. Oh, flûte. Oui, c'est génial. Conseiller, employé, Curve City a des postes de niveau de richesse peu élevé à pourvoir. Utilisez le mur de région pour demander à vos voisins de créer des zones résidentielles. Ah ouais, c'est génial. Non, de créer des zones résidentielles de niveau de richesse peu élevé. Quoi? Ah, d'accord, mais non, c'est pas ça, j'en ai assez largement. Conseil de consommateur, a des marchandises de richesse peu élevée à vendre. Utilisez le mur de région pour demander de créer plus de zones résidentielles. D'accord, c'est tout le contraire de ce que je veux. Moi, je veux de la zone industrielle, bande de cons. Et ça... Si nous produisions des marchandises, voyez vers la boutique si on n'en avait pas assez, les biens peuvent être expédiés vers les voisines. Pour finir, jetons un oeil. Ouais, d'accord. Jetons un oeil sur un, hein, tout comme la. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. C'est quoi ça? Total élève étudiant, total bureau, total élève sans instruction. Ouh, putain, c'est pas bon ça. Ok, merci, c'est génial. Bref, ouais, j'ai pas mal d'élèves sans instruction. Là, je vais essayer d'augmenter le niveau d'éducation. On va se focaliser là-dessus. Au niveau des écoles, alors, est-ce que j'ai assez? On va mettre une petite bible, une bibliothèque. Je crois que j'en ai mis une déjà, il me semble, non? Bibliothèque. Non, j'en ai pas mis. Ah merde, il me semblait. Tiens, c'est étrange. Ah, c'est pas dans cette ville-là. On va en mettre une ici, tac. Voilà. Et on va mettre un lycée. Ouais, un lycée. On va mettre le lycée. Le lycée, on va le mettre là. Un lycée ici. Voilà. Là, là j'investis, il faut le dire. Bah. Le petit... Ça. Le petit bus. On va mettre deux bus. Un petit gymnase. Et une salle de classe. Voilà. Bon, comme ça, on est sécu. Je vais pouvoir améliorer le niveau d'éducation de mes... Petits employés, centre universitaire. Il n'est pas reconnu officiellement, mais il est moins coûteux et plus petit qu'une université. Ah, ça c'est génial.
Ah, super, je vais construire ça au lieu de me faire une université. Un petit centre universitaire. Ah, parfait. Alors, ici, par contre, j'ai pas du tout développé le... les arrêts de bus. Voilà. C'est comme ça. C'est bon, ça. Ici, ouais. Ok, c'est bon. Je pense que toute la ville est desservie. Deux bus, ça suffit largement. Alors ici, ça augmente. Ouah, 74 000. Oh yeah. Ici, 45 000. Oh, j'ai fait péter le score. Ici, je suis à 19 000. Eau usée. Ah, oh, putain, qu'est-ce qui se passe? Problème d'eau usée. Ah, effectivement. Je pense que c'est un petit peu la merde. Faudrait une station. Ouais. Mon petit sac solab, si tu pouvais augmenter le la capacité de traitement des eaux usées, parce que ça commence à ouais à là sentir un tout petit peu dans la rue. Bon, je te dis ça, je dis rien, hein, mais bon, voilà. Vu que c'est moi qui t'envoie ta merde et que je peux pas vraiment le traiter moi-même, vu que j'ai plus de place, je suis désolé. Déjà l'électricité, je vais bientôt devoir remplacer ça. D'ailleurs, faut faire des projets. Centrale nucléaire, ouais, pourquoi pas. Petite centrale nucléaire. Ouais, non, les centrales solaires. Centrale solaire, c'est plus écolo, hein. Là, on est dans une ville écolo, verte. Bon, hein. Voilà, quoi. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais rajouter une éolienne pour éviter les de nouveaux problèmes encore. Voilà, comme ça, c'est bon. Ok, bah je pense qu'on va se laisser là-dessus, c'est la fin de cet épisode. Bon, bah j'aurais un petit peu avancé, on aura développé la ville, voyez-vous. 10 000 habitants en plus, ce n'est pas rien. De la densité, plus de population, plus de riches, plus de développement, hein. Croissance, siège de jeu, plusieurs casinos. Là, on se fait des pépettes avec les casinos. Bon, problème d'eau usée, mais je réglerai ça plus tard, ne vous inquiétez pas. L'installation de nouveaux quartiers, c'est parfait. La maison du maire, qui déchire la maison du maire. Et puis voilà, tout va bien. On m'a dit de construire une mosquée. Oui, attendez. Je vais construire une mosquée. Culture, c'est où culture? Culture, mosquée. Culte. On m'a dit de construire une mosquée. Je vais construire une mosquée, voyez-vous. On m'a dit que c'est vrai qu'on n'en met pas souvent, ça change. Ah, je suis totalement d'accord. Par contre, la mosquée, alors où je vais la foutre? Je vais la foutre là, la mosquée. Voilà, une belle mosquée ici. Bon, allez, sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, salut à tous.